Bénédiction et salutations à vous pour Noël. En cette période de l'année, nous sommes dans un moment de grande joie, aussi dans un temps de réflexion et de prière. Avec l'arrivée des jours plus froids, la nature a ouvert la porte à la saison de l'Avent, qui nous invite à préparer la fête de Noël, en toute la joie que cette fête peut apporter. Pour beaucoup d'entre nous, c'est ainsi que nous vivrons ces jours dans la fête et la joie. Cependant, nous savons que cette période de l'année n'est pas facile pour tout le monde. C'est même une période qui peut être assez difficile. Nous savons qu'en cette année en particulier, nombreux sont ceux qui luttent et souffrent dans notre propre vie et à travers le monde. Portons-les tous dans nos cœurs et prions pour la paix et l'espoir que Noël peut apporter. La période de Noël nous fait découvrir le grand cadeau que nous pouvons être cette année. Un cadeau pour les autres. Il ne peut pas être acheté dans un centre commercial ou sur Internet. Il ne peut venir que de notre cœur. Partager un peu de nous-mêmes avec quelqu'un qui en a besoin est un don en soi. Alors, je vous invite à offrir aux autres le plus beau cadeau que vous avez à offrir. Votre chaleureuse présence, votre temps, un bon repas, de la musique, votre humour, votre attention aux démunis, aux malades ou aux personnes seules. Que le partage, la solidarité et la générosité animent votre cœur et guident vos actions. Alors que nous continuons à allumer les bougies de notre couronne de l'Avent, je vous invite à être la lumière dans la ténèbre du monde, qui trop souvent ne nous permet pas de voir les exclus et les oubliés de notre société. Je souhaite que notre monde soit un peu meilleur et que plus de gens réalisent quels sont les vrais cadeaux de cette saison d'accueil de Jésus parmi nous. Que Saint Frère André et Saint Joseph veillent sur vous et vos proches pendant sept mois de partage et de fêtes. Joyeux Noël à vous et paix pour la nouvelle année.